Jusqu'à maintenant, quand j'ai connu l'église, je vivais dans une chambre d'hôtel. Et grâce à Dieu, j'ai trouvé ma compagne qui m'a permis de m'en sortir. Maintenant, du coup, on a trouvé un appartement sur Rambouillet. Et du coup, ça m'a sorti de la galère que je me suis trouvé. Pendant presque un an, je vivais que de nourriture froide. Je me demandais est-ce que je vais pouvoir me nourrir et tout ça. Je travaillais surtout pour payer mon loyer. Après, la nourriture, je ne savais pas si je pouvais. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait pour ça? Je suis venu à l'église. Je venais tous les jours à cette époque. Et je déterminais mes envies de vouloir m'en sortir parce que mon passé est assez... Et vous avez fait quelque chose, un vœu ou une campagne? Aucune campagne. Je suis simplement venu à l'église faire les prières chaque fois et mettre en pratique la parole. La parole. Ce que le pasteur disait, vous faisiez. Voilà, je venais et après, les paroles que j'entendais, je les mettais à l'extérieur. Et votre vie a changé. Voilà, ma vie a changé. Complètement. Amen. Grâce à Dieu. J'étais sans papier. Maintenant, j'ai ma carte de séjour. Et j'ai eu un travail qui paye encore plus bien. Vous avez passé combien de temps ici sans papier? Ici, en France. Je suis venu en 98. 98? Oui. Ça veut dire 16 ans. 14 ans. Hein? Mm. 16 ans. Et il y a peu de temps que vous avez pratiqué la foi. Mm. Vous avez participé d'une campagne? Campagne d'Israël, oui. C'est la campagne d'Israël? Oui, la campagne d'Israël. En décembre 2011, d'habitude, je fais la campagne, mais je ne la fais pas comme il faut. Amen. Et la dernière campagne, je me suis jeté. J'ai dit, cette fois-ci, c'est vraiment le moment. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Tout simplement, j'ai trouvé du travail parce que ça faisait quand même un peu plus d'un an que je n'avais rien. Et il y avait pas mal de trucs, là on n'a pas le temps de parler de tout ça, qui ont changé dans ma vie. C'est surtout le travail que je voulais. Et ce travail aujourd'hui me permet de faire tellement de choses que je n'osais pas faire avant. Et aujourd'hui, je suis fidèle à Dieu. Je crois beaucoup en ce qui se passe ici, parce que c'est des choses que je ne croyais pas avant du tout. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Ça fait à peine un an. Ça fait un an depuis décembre, mais Dieu a vraiment répondu à ma prière et aujourd'hui je suis plus que comblée parce que il y a tout, presque tout a changé et je pense que beaucoup de choses changeront encore. Maintenant vous croyez? Oh oui, à fond. Avant vous ne croyez pas? Pas vraiment, non. Dites-moi une chose, vous croyez en Dieu avant? Oui, mais pas... Vous aviez une religion? On va dire catholique. Oui, mais enfin, n'importe quel est le nom. Voilà, mais c'était moyen. Tout ce que j'ai appris ici, je n'avais jamais appris ça avant. Et donc, j'ai beaucoup parlé aussi avec le pasteur et tout, pour qu'il me montre la voie, comment suivre certaines choses que je ne savais pas, comment m'y prendre surtout. Et aujourd'hui, je pourrais dire que je suis plus que soulagée. Amen, grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à toutes et à tous, un excellent début de semaine avec la certitude et la détermination d'avancer, de se projeter et de réaliser tout ce qui n'a pas encore été réalisé jusqu'à présent. L'être humain a besoin de se renouveler intérieurement pour pouvoir évoluer, pour pouvoir progresser. Il est nécessaire d'évoluer dans notre manière de penser, dans notre manière d'agir, dans la vision et dans nos perspectives. Voyez qu'aujourd'hui, en 2014, nous ne pensons plus comme nous pensions en 1990, en 1980, ni même au début des années 2000. L'homme a évolué, la manière de procéder a évolué. Et c'est une nécessité, c'est un besoin. Nous devons évoluer dans notre intérieur. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont arrêtées dans le temps et leur vie stagne. Et pourquoi est-ce que leur vie stagne? Parce qu'elles ne veulent pas évoluer. Elles ne veulent pas changer leur manière de travailler. Voyez que les grandes entreprises, par exemple, les grandes sociétés sont constamment
en train d'évoluer. Elles allouent un budget important à la recherche, à la recherche de nouvelles techniques pour gagner du temps, pour gagner consolider les produits, à élaborer de nouvelles stratégies. Si elles veulent rester à la pointe sur le marché, alors elles doivent évoluer. Nous allons accompagner le témoignage de personnes et la divulgation des témoignages à cet objectif. Vous menez à penser d'une manière différente. Qui sait, vous êtes cette personne qui est emprisonnée dans une manière de penser. Vous dites non, c'est comme ça, ou c'est comme ça, ou ça ne peut pas être comme ça. Et vous allez voir que lorsque la personne se lance, lorsqu'elle prend des risques, parce que pour vaincre, nous devons prendre des risques. Bien sûr, des risques mesurés, des risques calculés. Mais parfois, nous devons affronter la pensée de tout le monde. Nous devons affronter la majorité. Vous voyez que les grands explorateurs, ceux qui ont marqué la différence, les grandes innovations, généralement, la personne est allée contre l'avis de tous. Et aujourd'hui, tous suivent cette idée, cette opinion. Donc, nous devons être courageux, accompagner le témoignage de personnes qui ont été courageuses. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, ma vie était... J'étais perdue, j'étais complètement désespérée. Je ne savais pas quoi faire. Je n'avais pas de direction pour ma vie. Et j'avais une vie complètement détruite. J'avais tout perdu. Le mariage, la maison... la religion, j'avais tout perdu. En fait, religion ? Vous aviez une religion ? Oui, j'étais dans une église depuis 14 ans. Et j'aimais Dieu, hein, comme tout le monde, pas pratiquement tout le monde. Mais je ne voyais pas le Jésus de la Bible. Je ne le voyais pas dans ma vie. J'ai étudié la Bible, je connaissais très bien la Bible. Je pouvais réciter des versets et puis me rappeler exactement les références. Mais votre vie était vie financière ? Chaotique. Hein. De famille. Bon, très mauvaise. Ce que j'ai constaté quand je suis arrivée à l'église, la première fois que j'étais à l'église, j'ai dit c'est étrange. Ce que j'ai vu dans la Bible, Jésus chassait les démons, tout ce que Jésus faisait, je vois ici. Donc je vais revenir. Ça m'a interpellé beaucoup parce que je lisais la Bible, donc je connaissais les histoires. Donc, mais ce que je lisais dans la Bible, je ne le voyais pas, en fait. Je disais, mais pourquoi je ne vois pas ce qui est marqué dans la Bible? À quoi ça sert de lire la Bible? Si c'est écrit, ça doit exister. Donc, quand j'ai commencé à voir que ce qui est écrit dans la Bible, c'est ce qui est enseigné au centre d'accueil, j'ai continué à faire les chaînes de prière. Et donc, j'ai commencé à voir plus clair. Un changement. Un changement dans ma vision et... à vouloir pratiquer cette foi. Je suis arrivée endettée parce que je travaillais, donc j'avais engagé des crédits avec mon ex-mari. Et déjà, je suis restée avec toutes les dettes. Et je vivais avec un découvert de 2000 euros constamment, donc qui se renouvelait chaque mois. Quand je suis arrivée, j'ai fait la première campagne d'Israël. J'étais déjà à découvert, j'avais déjà plein de problèmes financiers, j'avais pas de maison, j'étais avec les trois enfants. Et je ne savais vraiment pas quoi faire. J'étais complètement perdue. Donc j'ai dit, je vais y aller. Je vais faire la campagne d'Israël parce que je n'ai rien à perdre. Si y a la seule personne qui puisse changer ma vie, c'est Dieu. J'ai fait le sacrifice. J'ai fait le sacrifice, tous les sacrifices qu'il fallait faire. Et je voulais changer de vie, mais je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas quelle direction prendre. En fait, le pasteur ne m'a pas donné l'enveloppe. J'ai pris moi-même. J'ai préparé moi-même une enveloppe. Parce que quand je suis arrivée, la campagne d'Israël, bon, je n'ai pas bien compris, mais ça avait déjà commencé. Je ne sais pas à quel moment le pasteur a donné les enveloppes, mais moi j'ai pris une enveloppe et j'ai dit je vais sacrifier. Dieu a répondu à ma requête. Il m'a donné une direction pour ma vie et je n'avais plus de doute. Ma vie n'est plus pareille. Déjà, je n'avais pas de maison, je n'avais rien. J'étais, on va dire, presque dans la rue. Aujourd'hui, je travaille pour moi-même. Vous avez une entreprise ? Oui, j'ai mon entreprise individuelle, j'ai une SARL et une autre entreprise à côté. Deux entreprises ? Trois. Il y en a une troisième que je commence à développer. Trois entreprises et vous avez des maisons déjà ?
Bon, entre-temps, je n'avais pas de maison où habiter, j'étais logée. Donc, à la suite d'une campagne, Dieu m'a donné en une semaine un appartement. Après, j'ai déménagé pour habiter ici à Cergy, dans un pavillon, dans un domaine. Et là où je suis, moi, je n'ai pas la condition aux yeux de l'homme d'y être. Donc, je dis que Dieu m'a mis là pour glorifier son nom, pour lui. Parce que campagne après campagne, mon objectif, c'est glorifier Dieu. Pour atteindre nos objectifs, pour réaliser nos rêves, nous devons faire preuve de courage. Nous devons vaincre les peurs, les doutes, les complexes, qui sont des choses tout à fait normales. Parce que nous sommes entourés de facteurs qui font tout pour que nous ayons peur. Nous entendons parler de crise, nous entendons parler de licenciement en masse, nous entendons parler de fermeture d'entreprises, de faillite. Donc, tout est là, tout est mis en œuvre, toutes les informations viennent pour que nous ayons peur, pour que nous doutions, pour que nous repoussions à plus tard nos rêves et nos objectifs. Nous devons être courageux. Vous savez, dans la majorité des cas, ceux qui réussissent, celles qui réussissent, ce sont ces personnes qui ont su faire abstraction de ce qu'elles ont vu, de ce qu'elles ont entendu. Plutôt que de confier dans la parole des autres, elles ont confié dans cette voix dans leur intérieur qui disait « Non, je peux réussir, je veux réussir et je vais réussir. Si d'autres ont réussi, pourquoi ne pourrais-je pas réussir ?» Et elles se sont lancées. Bien sûr, ont-elles rencontré des difficultés ? Certainement. Ont-elles eu des moments difficiles ? Certainement. Ont-elles pensé à abandonner ? Possible. Mais aujourd'hui, elles sont arrivées là où elles voulaient arriver. Et vous pourrez apprendre aujourd'hui dans la réunion des conquêtes financières au centre d'accueil universel à devenir l'une de ces personnes, à devenir une personne déterminée, à devenir une personne courageuse, à devenir une personne persévérante. Qui sait, vous êtes déjà cette personne déterminée, courageuse, persévérante, mais vous ne savez pas quelle direction prendre, vous ne savez pas quel chemin suivre. Bien, cette réunion est destinée et préparée spécialement pour vous qui voulez réussir sur le plan professionnel économique. Joignez-vous à nous aujourd'hui, lundi. La réunion principale est à 20h, centre d'accueil universel, au siège 254 rue du Faubourg-Saint-Martin, mais également dans tous les centres d'accueil de Paris, d'Île-de-France, de province et dans les départements d'outre-mer. Pour plus d'informations, la ligne AMI 24h est à votre disposition. 01 53 35 85 12, ainsi que notre site internet www.centredaccueil.net et les adresses qui s'affichent sur le bas de votre écran. Bien, j'ai préparé ici mon verre d'eau. Vous avez l'opportunité de préparer le vôtre pendant l'intervalle et nous revenons pour la prière. Mon problème principal, c'était au niveau de la vie financière, plus particulièrement au niveau du logement, parce que je vivais en fait dans une résidence qui était assez loin et je recevais chaque jour des lettres des demandes d'expulsion. Donc je recevais des lettres où on me demandait de quitter le logement, sauf si je payais une certaine somme. Et cette somme-là, je ne l'avais pas, parce que je ne travaillais pas. Je ne percevais plus de revenus. Et c'était vraiment impossible. Et il faisait froid. C'était durant la période hivernale. Et honnêtement, je ne savais plus quoi faire parce que je me disais qu'est-ce qui va m'arriver ? On va me mettre dehors ? Je vais aller où ? J'avais nulle part où aller en fait. J'avais vraiment nulle part où aller. C'était difficile. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Et c'était vraiment tous les jours, dès que je sortais, quand je revenais le soir,
j'avais toujours une lettre. Et j'avais vraiment peur parce que je me disais, un jour, je vais finir par partir et quand je reviendrai, tout sera dehors ou alors peut-être même que je n'aurai plus rien du tout dans la maison, je ne pourrai plus rentrer. Et j'avais toujours cette peur en moi quand je rentrais chez moi, je me disais, si ça se trouve, je vais rentrer, je ne pourrai plus ouvrir la porte, la serrure sera changée. Enfin, j'avais vraiment peur. J'allais donc au centre d'accueil universel et il y avait des propos de foi, des chaînes de prière. Et donc, à travers ces chaînes de prière, j'ai donc demandé à Dieu qu'il vienne agir donc dans ma vie financière. Parce que je me disais que c'était vraiment, pour moi, c'était vraiment impossible. Je me demandais, mais comment est-ce que je vais trouver un logement? Je ne travaille pas, j'ai rien, il n'y a personne pour m'aider. C'est vraiment pas possible. Et je ne voulais pas aller dans un foyer. Je ne voulais pas me retrouver dehors. En plus, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Ce n'est pas normal, je ne peux pas. Je ne voyais pas, en fait. Pour moi, je ne méritais pas ça. En plus, je faisais tout ce qu'on demandait. Toutes les chaînes de prière, je les faisais correctement. Et là, j'étais vraiment révoltée. C'était soit j'avais quelque chose ou alors j'allais atterrir dehors. Donc, sachant que j'étais toujours fidèle donc, à mes dîmes, j'avais demandé en premier lieu à Dieu de me donner un emploi pour que je puisse subvenir à mes besoins et trouver un logement. Donc, grâce à ma fidélité à la dîme, Dieu a permis que je trouve un emploi. Donc, c'était déjà bien, mais il me manquait quand même le logement parce que de l'autre côté, j'avais les menaces tout le temps et je savais vraiment plus comment faire. Pour moi, c'était vraiment impossible. À côté de ça, je faisais quand même des recherches. J'appelais à des annonces, mais à chaque fois, c'était des annonces erronées, c'était des tromperies, des escroqueries. Il fallait payer avant de pouvoir voir le logement. Et je me disais, mais c'est vraiment pas possible, je vais aller où? Comment est-ce que je vais faire? Donc j'ai arrêté de chercher des annonces. J'ai commencé à chercher d'une autre manière, sur les sites internet, là où il y avait des... Je cherchais partout, j'avais vraiment plus de solutions et grâce aux conseils que je recevais au centre d'accueil universel et grâce aussi à certaines personnes qui m'aidaient, j'ai pu trouver en fait des logements, des résidences pour les jeunes justement. Grâce aux prières que j'ai reçues par le pasteur et les conseils que j'ai reçus également, j'avais cette confiance, j'avais vraiment confiance, j'avais cette certitude que oui, j'aurais ce logement qui serait à moi. Et donc, en continuant toujours dans ce chemin-là, j'ai prié, j'ai lutté, j'ai vraiment tout fait. J'ai tout fait. Et donc, on m'a contacté ultérieurement pour me dire que j'avais donc une place donc dans ce logement. Et quand je suis rentrée, vraiment, je m'attendais à un logement avec... un lit et une cuisine. Et en fait, non, c'était plus que ça. C'était tellement beau, c'était grand, c'était tout était rénové. C'était nouveau, c'était tout nouveau. C'était vraiment un vrai confort. Et quand on met notre confiance en lui, Dieu nous donne pas forcément ce qu'on a demandé, mais il nous donne bien meilleur. Je peux vous dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai même plus voulu douter de Dieu parce que quand j'ai vu ce qu'il avait fait, je me suis dit que sans lui, je n'y serais vraiment pas arrivée. Oh Dieu, je prie en cet instant en faveur de toutes celles et de tous ceux qui veulent changer le cours de leur histoire, le cours de leur vie, le cours de leur destin. Des personnes qui n'ont pas choisi la misère, qui n'ont pas choisi le chômage, qui n'ont pas choisi l'échec, la déroute, et qui, à chaque minute, à chaque instant, pense comment puis-je sortir de cette situation. Des personnes qui ne se conforment pas avec la vie qu'elles vivent aujourd'hui, qui ne sont pas là pour culpabiliser la société, le destin,
Dieu ou les entités politiques, religieuses, mais qui veulent simplement trouver la lumière au bout du tunnel. Alors, que cette personne puisse maintenant recevoir une direction, une orientation dans sa vie, que toutes les portes viennent s'ouvrir. Donne-lui la force pour se lancer dans des démarches constructives. Peut-être qu'elle a déjà frappé à beaucoup de portes qui jusqu'à présent sont restées fermées, mais qu'à travers son insistance, sa persévérance, cette porte vienne s'ouvrir. Parce que, mon Dieu, cette personne ne peut pas rester sans travail. Elle a une famille à soutenir. Elle a, mon Dieu, des factures à payer, des compromis qu'elle doit honorer. Et elle ne veut pas arriver à la fin du mois et aller vers son propriétaire en lui disant « Je n'ai pas l'argent à vous donner ». Non, parce qu'elle est honnête, parce qu'elle est sincère. Elle ne veut pas dépendre de la société. Elle ne veut pas être un poids pour la société, ni pour les autres. Au contraire, son désir est de pouvoir aider les autres. Mais aujourd'hui, elle n'est pas dans cette situation. Mais par la foi, nous déterminons que ta main vienne la bénir, que ta main vienne l'aider. Consacre cette eau, qu'elle soit un rafraîchissement pour son esprit qui est peut-être bombardé de paroles négatives, de doutes, qu'elle soit maintenant lavée, débarrassée et qu'elle reçoive un nouvel esprit, une nouvelle vision et la force d'aller de l'avant. C'est ce que je détermine avec elle. Vous qui croyez, dites « Je crois » et buvez cette eau. Avant de venir au centre universel, bon, je travaillais, j'avais un très très bon salaire, malgré ce bon salaire, je n'arrivais pas par moment, j'irais pratiquement tous les mois, j'étais à découvert, je n'arrivais pas non plus parfois à payer ma carte orange, et ce qui fait que bon, c'est comme si je n'avais jamais travaillé, alors que j'avais un très très bon salaire. Hein. Je vivais une vie, je dirais, bon, comment je vais dire ça, avec une carapace, c'est-à-dire que l'extérieur, j'étais bien habillé, mais au fond de moi-même, c'était toute notre vie, étant donné que je me posais beaucoup de questions, des soucis, des angoisses. Je me disais, c'est pas normal que je travaille, que je n'arrive même pas à mettre un pays ma carte orange, ce qui fait que je dirais que c'était une vie gâchée, voilà. Une vie gâchée, d'autant plus que je me suis marié, il y avait toujours des disputes et des engueulades, on a même à un moment donné parlé de divorce. Voilà, ce qui fait que bon, je travaillais, j'allais au travail, j'avais un très très bon salaire, d'autant plus dans le secteur où je travaille, dans la structure où je travaille, je dois avoir le deuxième meilleur salaire, mais malgré cela, je n'arrivais pas à joindre les deux bouts. Ça devenait très difficile, ce qui fait que de temps en temps, j'étais obligé de demander qu'on me prête de l'argent, je veux dire à mon frère, à ma famille, et puis ça faisait tache d'encre dans ma vie aussi bien professionnelle, parce que bon, il se posait les questions, il dit bien attends, je comprends pas, Jean-Claude il travaille, il arrive même pas à se payer sa carte orange. Il est vrai que je lisais la Bible, j'ai toujours ma Bible dans mon sac, mais il y a des passages de la Bible que je ne comprenais pas. Et j'ai demandé à rencontrer quelqu'un qui est venu, à l'époque j'habitais Saint-Michel-sur-Orge, qui est venu nous parler de Dieu, avec moi et mon épouse. Hein. Et je lui ai dit que moi ce que je veux c'est rencontrer vraiment Dieu. Et je lui disais que j'ai été dans deux, trois églises, mais bon, voilà. Il me dit écoutez, je vous donne, c'est à ce moment-là que ce monsieur m'a donné le sommeur, j'ai lu le sommeur. Et puis je suis venu, c'était un lundi. Et de là, de fil en aiguille, les choses ont commencé à se mettre en place. Ça ne s'est pas mis en place du jour au lendemain. Il y a eu, comment dirais-je, des tribulations, il y a eu des batailles, il y a des moments où je baissais les bras. Mais je sentais qu'il y avait, j'avais cette foi qui me disait « continue à lutter, continue à lutter ».
J'ai participé à pratiquement toutes les campagnes. J'ai donné ma dîme et mes offrandes, ce qui fait que les choses petit à petit ont commencé à se mettre en place. Je devais, bon, c'est à l'époque où je devais, je dirais, des sous aux impôts. À l'époque, je ne travaillais pas, je devais des sous aux impôts. Et je leur devais à peu près un peu plus de 4 000 ou 5 000 euros. D'accord. Ils avaient fait une saisie sur mon salaire. Tous les mois, ils ponctionnaient une certaine somme. Et il y a, je crois que c'est le mois dernier, j'étais un peu surpris d'ailleurs qu'ils ne me prélèvent pas cette somme. Je demande à ma direction ne me répond pas. Deux jours après, je reçois un courrier des services des impôts qui me dit: écoutez, monsieur Maville, ben on stoppe les saisies. Non seulement on stoppe les saisies, mais on vous doit de l'argent. Je dis: ah bon? Et je pensais qu'il plaisantait. Je dis: mais vous êtes sûr? Il me dit: écoutez, monsieur Maville, on stoppe les saisies, on vous doit de l'argent. Et bien, je suis rentré un soir comme ça à la maison, je trouve une lettre des impôts, je dis: oh là là, ça recommence encore avec les impôts. Et j'ouvre l'enveloppe et en fin de compte, ils m'ont remboursé 500 euros. Ce qui fait que je me dis, parce que bon, moi j'avais confié ça à Dieu, je dis: bon, Seigneur, c'est vrai que je dois, voilà, je paierai ma dette. Mais je continuais quand même à prier, à confier mes soucis, mes problèmes à Dieu, sans pour autant me poser des questions. Je me levais le matin, je confiais à Dieu, je partais au travail, voilà, ça se passait normalement, je donnais ma dîme, mes offrandes. Ce qui fait que là, les impôts, je ne leur dois plus rien. Non seulement je ne leur dois plus rien, mais c'est eux qui m'ont donné de l'argent. Je vais passer normalement au tribunal lundi dernier, le 17 juin, au tribunal d'instance d'Évry, sur une affaire qui date de plus de 10 ans. Deux, trois jours avant, je reçois un courrier de mes adversaires disant que: monsieur Maville, vous nous avez remboursé, vous ne nous devez plus rien. Alors que normalement, je leur devais 8000 euros. Du jour au lendemain où j'ai commencé à donner ma dîme tous les mois et mes offrandes, j'ai vu les choses commencer à évoluer dans ma vie aussi bien professionnelle, parce que bon, on m'a confié des responsabilités. Sur ma vie financière, ça va beaucoup mieux, j'arrive à payer mes dettes, ce qui n'était pas le cas avant. Et là, je vous dirais que je viens de créer une société de création de site internet. Et là, on commence à voir, cette société a été créée il y a un mois. Dieu m'ouvre les portes petit à petit. Je ne désespère pas, j'ai foi en lui, je lui ai confié ma vie. Je ne dis pas que tout va être facile, parce qu'il est Dieu lui-même, on va rencontrer des tribulations. Mais on doit le mettre au-dessus de tout. Et c'est ce que je fais, c'est le fait de le mettre au-dessus de tout me permet non seulement de combattre mes ennemis et de rester debout. Bien, amis, c'est une nouvelle semaine qui commence, de nouvelles opportunités, de nouvelles luttes. Ne désistez pas, n'abandonnez pas. Nous savons que c'est difficile lorsque nous sommes sans ressources, sans conditions de vivre, et plus encore parfois le regard des personnes autour de nous qui pensent que si nous ne travaillons pas, c'est parce que nous ne le voulons pas, n'est-ce pas ? Mais nous savons, Dieu sait également, que votre objectif n'est pas de rester dépendant des autres, de voisins, de membres de la famille ou de la société, mais que votre désir, au contraire, est de pouvoir aujourd'hui gagner un bon salaire et pouvoir contribuer au développement de la société, porter votre pierre à l'édifice. Le principal, c'est que vous le sachiez, et que l'auteur, le créateur de la vie, le sachant également, sera là pour vous aider. Participez aujourd'hui à la réunion des conquêtes financières. Changez votre vie. Dieu vous bénisse.